Les pochettes sont moins chères. C'est le cul de poulet, non? Ah non, c'est le même prix. Exactement. C'est le cul de poulet, ça. C'est le même prix. Oui. Ouais, j'ai mangé ça. Ouais, ouais. Chez lui. Elles sont bonnes, hein. Donc toi, tout est prêt pour prendre et partir à la maison. Donc ils achètent et ils partent à la maison. C'est pour ça qu'il faut faire vite. Par contre, ce que nous, on n'a pas à Kassé-Vissaï, c'est ça, là, ces fameuses brochettes de crabe. Voilà. Brochettes de crabe. Filet de poisson. Les petits mange-tout. Petits mange-tout. Voilà. Ça, en France, avant, on en avait, mais on n'en a plus maintenant. Eh oui, c'est bien sûr, les petits mange-tout, nous, on les prenait. Et ça, c'est excellent aussi. Qu'est-ce que c'est qui n'est pas excellent? Ça, c'est le tome-nuit. Donc c'est des tripes de bœuf, hein, de veau, tripes de porc. Ça c'est du porc, c'est du porc séché. Ah ouais. Ouais, ouais. Et on les fait comme ça, c'est séché. Parce qu'en fait, au lieu de les mettre sur un tamis, eh bien, on va les accrocher comme ça par l'anneau. Voilà. Ça est bon, c'est... Voilà, et c'est très bon, hein, franchement. Et là pareil. Ouais, ça c'est le canard. Alors nous on mange tout, hein, le cou, la tête, les yeux. Si c'est mal, on mange tout. Voilà. Et ça c'est le tom. Ça c'est bon. Dans la sauce, c'est de l'eau, c'est du poulet, quoi. Et on fait la même chose avec le canard. Voilà, avec le sel, regarde. Hein. Voilà. Avec le sel. Le pas d'eau. Pas d'eau. Tu vois? Voilà. Le pado, donc c'est le poisson chat, c'est ce que tu vois là-bas. C'est excellent. Eh oui, alors. Oh, les brochettes. Brochettes de banane aussi. C'est un peu bourratif, mais c'est très très bon. C'est sûr qu'un peu d'alcool est flambé avec une bonne glace et une bonne chantilly, là aussi ça passe. Voilà. Les salades toutes prêtes, plus qu'à prendre et à balancer. Voilà. Non, je ne suis pas muet. J'aime parler. Mais ce que je fais, c'est que j'ai envie que vous entendiez justement avec quoi? Eh bien, l'ambiance qu'il y a dans ces marchés. Toutes sortes de d'œufs. Ah, là, ça devient intéressant. Les gâteaux. Voilà. Ça, ce sont les poissons de mer. Ça, par contre, quand ils font cuire ça à la maison, ouïe aïe. Taé. Le doupalang. Donc les sushis, évidemment, ça aussi c'est une grande spécialité. On voudrait tout goûter, c'est normal. Les pâtes aussi, ça vous en trouverez de plus en plus. Les pâtes avec le porc. Là le poulet en barquette, bien entendu, elle vous découpe le poulet, elle vous met tout en barquette. Ici, ça c'est très facile et ça marche très très bien. Les petites sécos, comme je les appelle. C'est les saucisses, comme la saucisse de Strasbourg. Regardez les fraises. Je vous dis qu'on a des bonnes fraises. Donc, regardez, ce qui est beau, c'est que dans les marchés, eh bien, le soir, eh bien, c'est tout éclairé. Aujourd'hui, il fait bon, on est bien. Ces fameux ananas, il y en a 6 pour 50 bahts, ils sont excellents. Ça c'est le porc grillé, évidemment, tout le monde achète du porc grillé, voilà. Alors, il y en a un qui me dit c'est gras, alors si c'est gras, c'est bon. Même alors, c'est que gras, du gras. C'est gras, ah ben c'est bon, voilà. Donc là-bas, c'est des boyaux, hein. Voilà. Là-bas, se trouve là-bas. Sai, ça s'appelle Sai. Sai mou. Le... Pizza Hut. Ben, dans la sauce. Pizza Hut.
On ira voir le Pékélé en train de chanter. Oh, les grosses brioches là. Donc là, c'est pour vos salades. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Elle va vous peser votre salade et ça fera tant. C'est tant le kilo. Voilà. Vous verrez aussi se promener des personnes qui sont habillées traditionnellement, surtout avec la veste de tradition, évidemment. Les fameuses galettes, regarde. Regarde, alors là, ça c'est... Ça, c'est regarde comment il fait. Tu vas voir. Regarde, regarde. Et falan. Donc, la crêpe là-bas, elle est faite. Je trouve que c'est de l'eau. Et là, c'est juste une pour voir comment c'est gluant. Voilà. Voilà, et là on va mettre du porc. On tourne. Voilà. Voilà. Et ça on va le mettre dans la barquette. Et dans la barquette il y a du porc aussi, il y a du saucisson. On appelle ça du saucisson là. Ça c'est bon. C'est un peu gluant, ça c'est très très bon. En kit français. Alors, et c'est léger et c'est bon. Ouais. Après vous voyez, voilà, den, après d'où. Oh, qu'il y a. Non mes amis, je vais vous quitter. Je vais pas vous faire d'autres vidéos. Pourquoi? Parce que il va faire nuit, vous n'allez rien voir. Puis moi, je veux profiter aussi du marché. Peut-être acheter quelque chose. Oh, c'est pas des croque-monsieur, ça? Ah non, c'est des gâteaux. Non, je crois que c'est des croque-monsieur. Ouais, mais t'en as à la fraise, à tout là. À tout. Allez mes amis, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt, peut-être une autre vidéo, parce que là, ce soir, on va manger sur le Mekong. Oui, enfin, pas sur le Mekong, mais à côté du Mekong. C'est notre dernière soirée, donc on va la fêter avec mes amis là, de Belgique, dans la Belgique, à l'honneur, avec moi. Voilà, à tous les Belges qui nous regardent, je vous fais de gros bisous. À tantôt. Voilà, c'est comme ça qu'on dit? Tantôt. Voilà, à tantôt. Donc là aussi c'est pareil, pour rigoler, eh bien ils vont se retrouver en brochette, ok? Mais non, regarde, oh, c'est trop mignon, regarde ça. Ouais, donc non, ça c'est un éleveur de chiens, voilà, qui vend des chiens et des chats. Regardez ce chat, regardez la tête, c'est trop beau, franchement. Et si j'avais une grande maison, eh bien, je prendrais plein d'animaux. Voilà. Voilà mes amis, on va faire le tour encore et encore, puis on va aller manger tranquillement. Mais avant ça, je vais vous montrer les dernières images, parce qu'on vous parle de Laotien, on vous parle aussi de Lisan, mais on ne vous les montre pas, donc moi je vous les montre. Et regardez, là c'est très très beau. Voilà, et c'est cette dame qui est très très jolie. Voilà, yim yim. T'aimerais la vidéo, ni. TV. Voilà, pourquoi je dis télévision? Parce que j'ai mon tricot avec l'emblème de TV Eric Thailand. Ça passe mieux. Puis j'ai pas besoin de ce tricot. On est vraiment bien accueillis dans cette ville aussi, qui appartient à la ville de Lisan aussi, évidemment. Et ce que j'aime justement, c'est ce mélange de Thaïlande, Laos. Ça, j'adore. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, mes amis.